Bon, ça a le mérite d'être clair. Et sur un autre dossier, la police municipale, notamment la police municipale de nuit. Donc on annonce la suppression, hein, pure et simple, des patrouilles de nuit. C'est quoi votre point de vue là-dessus? Du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Alors, il faut déjà définir le rôle de la police municipale. C'est-à-dire, on est déjà sur un double équilibre. Depuis des années, ils auraient dû être en contact davantage avec les populations, connaître les habitants des rues, créer un lien entre cette police municipale et les habitants. Conserver une police municipale de nuit, parce que les vols se font la nuit. Nous, ici, on habite le long du canal de l'Ourcq. Les vols à la voiture et les vols dans les jardins se passent toutes les nuits. Alors, ce n'est pas toutes les nuits, mais si nous prenons l'année dernière, dans notre quartier, tous les jours, il y a eu des vols. Que ce soit des vols à la roulotte, dans les véhicules ou dans les jardins, jusqu'à passer dans les jardins et ouvrir les fenêtres des gens alors qu'ils dormaient chez eux. Avoir une police municipale qui patrouille, si vous voyez un ou deux individus au milieu de la nuit à 3 h du matin qui déambulent, où la personne titube, bon, on va dire que c'est quelqu'un qui a bu un verre de trop et qui est en train de dessouler, et là, ça ne sera pas grave. Mais si vous voyez quelqu'un qui marche vite sac à dos sur les épaules, il ne va pas au travail à cette heure-là, dans son genre de travail. Donc non, il faut conserver une police municipale de nuit, puis penser à toutes ces personnes âgées. La police municipale peut se déplacer, des fois ça sera sur un simple bruit, une crainte qu'auront eu les habitants, ils étaient rassurés de l'avoir. Et si le cas devient grave, à eux de prévenir la police nationale. Et la police nationale n'arrivera jamais à couvrir toutes nos rues. Alors, par rapport aux autres candidats dans la 10e circonscription, donc on a 10 candidats qui se sont officiellement déclarés donc pour concourir à cette circonscription. Est-ce que vous avez des avis particuliers sur certains d'entre eux? Est-ce que vous avez pu les rencontrer, discuter directement avec eux? Et qu'est-ce que vous pensez, je ne sais pas, de Daniel Goldberg, de Gérard Gaudron, donc le candidat sortant, hein, même si la circonscription a quelque peu changé, ou alors peut-être d'autres candidats comme Jérôme Charré, comme Hervé Ciodoux, Delmoda. C'est votre avis. Vous avez quelque chose à dire? Alors écoutez, on s'est tous rencontrés. Personnellement, je connais tout le monde. C'est-à-dire sur les 9 candidats déclarés actuellement, et nous pourrons rajouter Bilel, qui s'est déclaré en candidat libre, mais qui devra avoir une étiquette dans les jours qui viennent. Nous nous connaissons tous. Nous avons eu l'occasion de conserver. Peut-être que c'est Bilel que je connais le moins. On s'est vu le jour des élections, c'est-à-dire il y a 15 jours. Et sinon, on s'était parlé de loin. Ben, tout le monde défend des idées, des positions. Des fois, elles se rejoignent, des fois, elles s'écartent. Je peux être parfois d'accord avec certaines idées des Verts, mais pas sur toutes. Mais des gens comme Daniel Goldberg, bon, ben, le pauvre s'est retrouvé méchamment maltraité, on va dire, par son propre parti. Il débarque dans une ville, il rame énormément. Il faut le temps de se faire connaître, il n'est pas un enfant du cru. Il va falloir écouter Daniel Goldberg au cas où François Hollande passerait président de la République, puisque ce monsieur a déclaré qu'il faut des contre-pouvoirs. Il en a fait un livre. Donc, s'il va au bout de ses opinions, il devrait nous déclarer, si François Hollande est élu président, qu'il se retire de la course à la législative. Au moins, ça sera une preuve de son honnêteté. D'accord. Quant à monsieur Gaudron, ben, disons qu'il a œuvré à sa façon toutes ces années. On l'apprécie ou on l'apprécie pas, je ne porterai pas de jugement et de critique envers personne. Mais laissons la place aux jeunes. Et d'un autre côté, des gens comme Jérôme Charré, qui arrive avec d'excellentes idées, mais qui est encore jeune, devra encore être davantage sur le terrain et non pas s'exprimer seulement par les blogs. D'accord. Donc, vous avez dit que vous n'avez pas d'ambition municipale particulière pour 2014. J'ai dit, de ma part, de votre part. le mouvement des citoyens libres et indépendants, le MCLI, sera présent. Ça, d'accord. Donc, vous aurez 50, les 52 personnes sur la liste qui seront principalement des personnes adhérentes au MCLI. Rappelez-vous ce qui a été dit avant. Oui, vous tentez une liste d'union. Il y aura sûrement une liste d'union dans laquelle sera présente le MCLI. Donc, je voudrais juste savoir, si vous êtes élu député, quel serait le dossier local sur lequel vous consacrerez en priorité
donc en tant qu'élu, dans les pouvoirs qui vous seront conférés en tant que député. C'est l'instruction. L'instruction ? L'instruction. C'est là que nous vivons le plus grand manque actuellement. L'instruction. Créer 60 000 postes, comme le propose François Hollande, ou continuer à retirer des professeurs dans les écoles, c'est une catastrophe. Des projets sont créés par certains... Déjà, il faut savoir que la grande majorité des professeurs sont des gens qui ont eu cette vocation. On va retirer les exceptions qui ont été prises au niveau de Pôle emploi ou des gens dégoûtés de leur profession au fil des années. Ils ne représentent qu'un petit pourcentage. Tous les professeurs actuellement sont des gens motivés, ayant cette vocation. Lorsqu'ils travaillent sur des projets à longueur de 3 ans, 4 ans, avec des groupes d'élèves, un simple atelier théâtre, qui est fait quand même en dehors des heures de cours normal. Et quand on voit les résultats que ça procure, alors aussi c'est toujours une histoire de pourcentage, il y aura peut-être que 5 élèves qui vont, grâce à ces projets-là, pouvoir s'exprimer différemment, s'intéresser davantage au français et se remettre à étudier d'une autre façon. Tous les projets pédagogiques qui montent à longue échelle, et quand on voit qu'on nous retire des dotations horaires, c'est inadmissible. Il faut une concertation avec tous les professeurs, non plus à chaque ministre qui va nous pondre, parce que c'est le mot, chaque ministre veut pondre une loi sur l'éducation, mais il faut une concertation avec tous les professeurs qui sont sur le terrain. Je suis déjà personnellement en contact sur Aulnay avec beaucoup de professeurs de différents collèges. Lorsque j'aurai été élu, si je le suis, nous verrons, je ferai en premièrement, un grand rendez-vous avec tous ces professeurs. D'accord. Voilà, et nous monterons à l'Assemblée nationale, et ensuite, bien sûr, il y aura l'effet boule de neige qui viendra toucher aussi toutes les villes alentours et le département, et remonter aussi des informations au niveau national. Mais l'instruction, c'est l'avenir de nos enfants, et c'est aussi notre avenir. Donc bon, ça, c'est quand même un dossier qui peut être étendu au niveau national. Donc, j'avais une autre question également, si vous êtes élu, donc député, quel serait un dossier mais national cette fois-ci sur lequel vous consacreriez en priorité? Donc, vous avez parlé d'éducation, mais bon, j'y ai bien compris, c'est de l'éducation surtout ancrée à Aulnay-sous-Bois avec les différentes écoles, et au niveau national. Non. Le problème que l'on rencontre à Aulnay-sous-Bois au niveau des écoles est le même nationalement. Maintenant, quand vous prenez une classe avec 25 élèves et que vous ne donnez pas autant le temps, les dotations horaires nécessaires aux professeurs pour arriver à aboutir à des projets avec tous ces élèves pour qu'ils arrivent à la meilleure des instructions, ou le simple fait de retirer des RAZ, comme il en était question hier soir, ce n'est pas aux professeurs de remplacer le RAZ. Le RAZ a une compétence. Son rôle au professeur, c'est de déceler l'enfant qui a une faiblesse, au RAZ de l'aider à vaincre cette faiblesse ou cet handicap quand il s'agit d'handicap. Là, le problème est national. D'accord. Donc, est-ce que vous avez... Donc, bon, vous avez parlé de vos priorités. Donc, c'est une priorité qui est à la fois locale et nationale. Est-ce que vous avez quelque chose à dire pour les lecteurs de monolé.com, donc un message à faire passer en tant que candidat, en tant que responsable du MCLI, en tant que Aulnaysien? Est-ce que vous voulez faire passer votre message qui sera écouté très certainement avec attention? Alors je vais vous répéter une phrase que j'ai dite et vous étiez présent dans une réunion publique. Il existe deux excellents médias sur les blogs locaux, monaulnay.com et Aulnay Libre. Vous devez être lus tous les deux, vous êtes complémentaires, des fois vous vous chevauchez sur certains articles, mais vous nous distribuez une information très complète. Vous ouvrez le dialogue par vos commentaires, là où tout le monde peut s'exprimer, et vous êtes devenu indispensable à notre vie locale. Monsieur Mendicoza, merci. Merci à vous. Et bonne chance pour les élections législatives. Merci bien. Au revoir.